Bonjour à toutes et à tous. On part sur un petit cours de pilates, tout au sol aujourd'hui. Donc vous allez prendre une sangle, si vous avez, enfin toujours pareil, ou une serviette, ou un foulard, ou une écharpe. Et on va se mettre au sol, d'accord? Donc la sangle, vous allez mettre cette sangle-là, ou la serviette, derrière. Donc vous n'allez pas la poser au niveau des cervicales, c'est dangereux. Hein, vous allez la mettre juste derrière, comme ceci. Les coudes vont être relâchés. Comme ceci, d'accord? On ne contracte pas et on va s'allonger. Si c'est trop difficile, si ça vous tire trop dans vos épaules, ce que vous faites, on est jolie comme ça, hein? Ce que vous faites, vous enlevez votre sang. Là, je vais craquer aujourd'hui, il y a un craquage. Alors, hop, je vais me mettre comme ça pour voir, donc la sangle, ou le foulard, ou l'écharpe. On met les deux mains et on décolle la tête. On est là, on relâche bien, d'accord? Et là, on va simplement amener le pied droit et on revient. Le pied gauche, donc on soulève, en fait ça vous aide à, au lieu d'être là, avec la sangle, soulever plus le buste. Hein, ça existe même des appareils comme ça, là où on est dessus. Hop, donc là pareil, je ne colle pas près de mon fessier. Allez, je mets du rythme, je n'ai pas mis mon chrono. Encore, allez. Relâche tes épaules, relâche tes doigts, hein, contracte pas. 2 et 3. 4, 5, doucement, 6, revient serré, 7, 8, encore, et 1, redescends pas le buste, monte à chaque fois, 3, et 4, encore, 5, 6, 7, 8, encore, 8, pointe les orteils, 1, allonge un peu plus, 2, 3, 4, 5, 6, allez, je rajoute 8 de bonus. Essouffle, 2, encore. Tranquillement, tu allonges. 3, monte le buste. 4, 5, rentre le ventre. 6, je respire par les côtes. 7 et 8. Je relâche ma sangle pour relâcher un petit peu comme je commence juste mes doigts. Et je vais la passer sous mes jambes. D'accord? Donc, je vais écarter les mains un petit peu plus larges que le bassin. Je descends les épaules. Mes jambes sont pliées. D'accord? Je plaque le bas du dos. Je monte le buste. Et tout petit mouvement. 4 et 5, 6, donc 7, les poignets dans l'axe. 2, 3, je monte le buste. 4, 5, 6, 7, 2, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Encore. Posture du sang. Donc ramenez pas trop les genoux sur la poitrine. 8, 7, 6, serrez bien les aimants. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Donc resserrez bien les chevilles, les genoux. La même chose, je me fouette, hop, je monte mes jambes, je descends mes jambes si j'ai pas mal au dos. Je resserre mes aimants et on y va. 2, 3, 4, je descends. 5, 6, 7, 8, je plaque le bas du dos, je rentre le ventre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, puis que 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Et je respire, je détends les épaules, je repars, donc collez vos aimants, respirez par les côtes, je ne réexplique pas, hein, j'ai expliqué dans les premières vidéos, donc les côtes sont resserrées, j'avale le nombril, je ne pousse pas. Je descends bien mes épaules, posture du sang, je rappelle, hein, les genoux pas là si je peux, pas là non plus, bien alignés. Je descends et j'y vais. 3, je mets le souffle si je peux, 4, 5, 6, pour détoxiner encore plus, aller chercher un peu plus dans la profondeur. Si je ventile trop, hein, j'arrête et je respire simplement par la bouche. 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Tonique dans les bras. Hein. 5, comme si je pressais quelque chose. 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Puis que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Je vais le refaire une fois, relâcher bien la nuque. Une fois j'ai entendu, j'inspire, donc serrez vos aimants, ça c'est important. Je descends, je descends, je descends, je descends, je monte le buste. 3, 4, les pointes, 5, 6, 7, 8, 3, 8, 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 2, 8, 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche mes épaules et je relâche ma nuque. À nouveau, je reprends ma sangle, je relâche bien et je vais mettre à nouveau
la sangle derrière. Hein. Attention, je relâche mes épaules, je détends. Une fois que je suis là, simplement, je vais amener ma jambe droite et revenir. Et ma jambe gauche. Et revenir. Et revenir. Encore. Droite et reviens. Gauche. Et droite. Allonge. Et gauche. Et droite. Et gauche. Encore. Droite. Gauche. Pousse bien. Droite. Descend. Ramène serré. Gauche. Reviens serré. Prends le nombril. Encore. Et droite. Reviens. Et gauche. Reviens. Et droite. Encore. Gauche. Droite. Gauche. Encore. 7. 6. 5. 4. 3. Allez, monte le buste. 2. Allez, les deux derniers, monte le buste. 1. Reviens. Et relâche tranquillement. Détends la nuque. Respire bien. Maintenant, je vais prendre ma sangle. Écarter un petit peu plus mes mains. D'accord? Et là, je vais simplement amener. Donc, je travaille pour l'instant. Je vais faire que mes bras pour vous montrer. Les coudes sur le côté et je reviens. On va le faire aussi dans les vidéos d'abdos fessiers avec des poids. Là, c'est simplement avec votre sangle, vous écartez et vous ramenez. Ce petit mouvement, j'écarte et je ramène. Les coudes, donc, partent pas en arrière. D'accord? Je suis là et je reviens. J'écarte et je ramène. J'écarte et je ramène. OK? Donc, de là, quand je vais tendre mes jambes, attention, ça va demander un effort, je vais descendre, et je vais remonter. Hein? Donc, c'est lent, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Colle tes aimants. Donc, vous pouvez aussi le faire, jambes pliées et je remonte. Hein? Jambes pliées et je remonte. Là, je prends l'option, hein, cours plutôt avancé et je remonte. Encore. Je descends. Je stabilise. Essayez pas d'élan. Et j'inspire. Je descends. Et je remonte. Je descends, jambes tendues. Et je pousse. Je descends, je rends le ventre. Et je reviens. Le dernier. Et je reviens. Et je relâche. Je respire. Donc là, on va refaire les jambes tendues. Mais on va rapprocher les mains. D'accord? Donc, tout à l'heure, on avait les mains plutôt plus larges que les épaules. Là, on va mettre un petit peu plus large, mais pas beaucoup. Et ça va demander un effort un petit peu plus difficile parce que les bras vont aller derrière. Vous n'êtes pas obligé. Donc les jambes, c'est le même principe. D'accord? On est là. Mais les bras vont derrière. Bras derrière. Et on va ramener les jambes pliées, le buste unique. Les bras vont derrière. Et on ramène les mains avec les genoux. OK? Donc là, ce qu'il faut, c'est de ne pas descendre comme ça la tête et prendre hein, avec les jambes. Donc je suis là. Je stabilise. Donc ma tête reste au milieu de mes mains. Et je reviens en redescendant. C'est bon pour vous? Allez, on y va. Et je ramène. Il brûle, hein? 3. Et je ramène. 4. Allez, on va jusqu'à 8. 5. Tu souffles, tu prends ton temps. 6. Je bloque et je ramène. 7. Je bloque et je ramène. Je plaque le bas du dos. 8. Je bloque et je ramène. Et je relâche. On va le refaire. Respire, relâche la nuque. Bloquez bien, d'accord? Donc, essayez de plaquer le bas du dos. Hein? Il y a toujours les options avec jambes pliées si vous préférez. Donc, je suis là, je bloque, je reste. Et je remonte le buste. 1. Et je remonte. 2. J'allonge. Et je remonte. Je tends à fond mes jambes. 3. Et je reviens. Et 4. Et je ramène. Et 5, et je ramène, et 6, et je ramène, et 7, et je ramène, et 8, et je ramène, et je relâche. Je relâche bien la nuque, je détends, je respire. Alors le prochain, on ne l'a pas encore fait cette année pour ceux qui viennent en cours, l'année dernière on l'a fait, mais je sais qu'il y en a qui ont un petit peu de mal. Donc, on tend les jambes, on va voir si vous arrivez ou pas. Donc, je vais mettre plusieurs options. Les bras, on est là, les bras sont derrière. Je vais simplement monter les bras à la verticale, les épaules sont dans le sol. De là, je vais décoller ma tête et c'est comme si ma sangle, quelqu'un me tirait.
pour chercher à remonter en arrondissant le dos et en allant vers l'avant. D'accord ? Je vais arriver dos droit. Donc mes jambes sont un peu écartées, mes pieds sont flex. Et là, je vais dérouler, dérouler, dérouler. Je vais vous montrer les options après. Dérouler chaque vertèbre. Jambes tendues. Clac, clac, clac. Épaule au sol. Là, c'est lent. Hein. Bras et j'amène mes bras derrière. Donc, on en fait un ou deux et je vais vous montrer les options pour ceux qui ne peuvent pas se relever. C'est difficile s'il n'y a pas d'élan. Mes épaules sont au sol. 1. Menton sur le sternum. 2. Enroule la colonne en avalant le nombril. Je ne pousse pas. 3. Allez, 4. Et là, je suis là. 5. Et je vais avaler le ventre en enroulant. 6. La tête hein, entre les épaules. Je déroule. Je reviens dos droit au départ. Et j'enroule. Ok ? Jambes tendues, pieds largeur du bassin. 1. Donc, on regarde devant. 2. On descend. 3. Lentement. 4. C'est très lent, ça. 5. 6. Les mains au-dessus de la poitrine. 7. 8. Donc, je refais une dernière fois. Vous allez continuer. Je vais vous montrer les options. La tête se décolle. Hop. J'avale le nombril. C'est ce moment qui est un petit peu difficile. Hop, je redresse d'abord ma colonne pour ensuite aller chercher en arrondi. Puis ensuite dérouler la colonne pour arriver en dos droit. Pour ensuite expirer en dos rond. Avaler le nombril. Descendez vertèbre après vertèbre. Donc ceux qui ne peuvent pas, vous allez continuer les autres. Continuez. Je me tourne sur le côté, je relâche ma sangle. Comme si je me relevais le matin. Hop. Je reviens, je ne tiens pas ma sangle, je plie mes jambes. Je mets les mains sous les genoux. Je déroule ma colonne en attrapant mes genoux. Continuez les autres. Hop, vertèbre après vertèbre. Je relâche mes épaules, je chante. Je me tourne sur un côté. Je mets les mains de chaque côté. Maintenant, option, donc soit les mains sous les genoux, soit je fais avec les mains devant. Hop, jambes pliées, je déroule. D'accord ? Je le refais une fois les options. Je tourne sur le côté, continuez les autres. Hop, je ne vais même pas vers l'avant comme je fais, hein. Je reste comme ça, sauf ceux qui veulent vraiment aller vers l'avant. Et sinon, je fais simplement cette option et je mets soit les mains sous les cuisses, soit là. Pour les autres, je repars avec vous, jambes tendues et flex. On est là, allez, 1, on décolle la tête. Hop, on est là tranquillement, on revient dos droit et on passe par-dessus quelque chose. On déroule la colonne. Au début, ça va. Et plus on va le faire, plus ça va commencer vraiment à chauffer. Là, on est vraiment dans les muscles profonds. Pour moi, c'est un vraiment qui est important, qu'on ne fait pas souvent, parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se relever. C'est pas grave, c'est pas un manque d'abdos. Hein. C'est même un manque aussi de souplesse. Hop, et un peu d'abdos quand même, on ne peut pas se mentir. Et dos rond. Pied flex. Et reviens. Allez, je sais que vous n'en pouvez plus, on va encore en faire deux. Et déroule. J'entends du tonique. Allez, la sangle, hop, les omoplates, ça travaille sur tout le corps. Inspire, expire, dos rond, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, dernier, inspire, expire, inspire. Expire, inspire, expire. Et je relâche tranquillement, hop, épaule, et je détends. Je relâche, je masse un petit peu, si j'ai besoin, le bas du dos, je relâche tranquillement. Je viens soit me mettre sur un côté, soit m'asseoir. Donc, on garde sa petite cordelette. Alors, je vais peut-être me mettre face, je vais voir. On est là. Il va demander un petit effort. Les pieds serrés, d'accord? Donc, largeur, un peu plus large que vos épaules. On inspire et on expire. On va vers l'arrière pour l'instant, on stabilise. On inspire, on remonte. Et on expire. On peut mettre un petit coussin s'il faut sous les fessiers. Inspire et on expire. Donc, les aimants connectés, inspire. Donc, je descends le dos est droit, hop, et je tiens. Profitez, il y a plusieurs options dans celui-là. Et je descends. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Au prochain, je vais rester. J'inspire. J'expire. Là, je vais ramener. 1,
les mains écartées et je reviens sans bouger. 2, 3, les abdos sont sollicités. 4, les coudes ne doivent pas tomber. 5, d'accord? Donc, continuez. Je suis là, le dos est droit, pas de dos rond comme ça. Et vraiment, je vais vers l'arrière. Et là, ça bouge. Donc, pas de coude comme ça. Allez, il en reste encore 8. Allez, 8, courage. On reviendra relâcher 7 le dos après. 6, encore. Si c'est difficile, tu repars sur les premiers qu'on a fait. 5. Allez, 4, on se grandit. 3. Si vraiment tu as mal dans le bas du dos, sinon tu mets un petit coussin sur l'arrière de la colonne. Et tu relâches ton dos. Tu détends. Tu repars dans le même mouvement. Inspirez, donc ça tonifie. Avoir mal dans le dos, après si c'est une barre, on s'arrête, mais après c'est parce qu'on travaille aussi le ventre et les lombaires. Donc on est là, on va un petit peu vers l'arrière. Et là, ça va demander un effort, on va chercher le plafond. Hop, allez, et on revient. Allez. Peut-être que ça fait... C'est normal, inspire. Si ça fait... On reste, hein. On revient. Et on y va. Allez, les coudes sont tendus, on redescend. Encore. Souffle. Descends tes épaules. Encore. Alors, si je suis là, hein, c'est un... continue. Si je suis là, c'est qu'un mouvement de bras. Hein. Donc, si vous avez trop mal au dos, vous faites ça, mais ce n'est pas ça le mouvement. Encore. On ne remonte pas et là, on va rester. Allez, 8 secondes au moins. 7, la tête dans le prolongement. 6, 5, allez, 4, pas la tête comme ça. Hein. 3, 2, 1 et on relâche. On respire, on relâche. On revient à nouveau. Et là, on va faire de la pagaille. Donc, on tend à fond et on va aller chercher à droite, les genoux sont serrés, et à gauche. À droite, comme si on pagayait. À gauche. À droite. À gauche. Donc, on ne doit pas twister comme ça, hein, avec les jambes, encore. Mais par contre, c'est pareil, on n'est pas vers l'avant. Donc, tu vas vers l'arrière, ce qu'on vient de travailler, et à gauche. À droite. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, gauche encore. Allez, on est sur notre bateau. Moi, j'aime pas trop les rivières, hein, plutôt la mer, sur la mer. La mer, il fait beau, on entend le clapotis des vagues. Pas trop non plus. Hop, ça chauffe, il y a des dauphins. Fais comme on peut. Ah, je sais, Sylvie, je conduis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche, je respire. On finit avec les abdos, plus qu'un. Un petit cercle. Hop, petit circuit quoi. Donc on est là. Hop, hop. Et là, donc, il y a l'option pied au sol. 3, il y en a 8, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, le dos. 1, 2, allez, 3, 4, 5. Là, c'est balèze, hein, on est balèze. Hein. 6, je vous le dis, on est balèze. 7, on reste 8 secondes. 8, ah, ça fait 7. Encore, je ne vous fais pas tendre les jambes. Hein. Normalement, c'est jambes tendues. 6, 5. Les bras sont en l'air, hein, les bras sont en l'air. Les bras sont en l'air, hein, je rappelle. Je rajoute 8 secondes, je suis sûre que vous allez baisser les bras. 7, 6, maintien. 5, les pieds ne sont pas là. 4, 3, 2, 1. Je n'ai pas posé et j'ai le générique. 2, déjà là, on trouve l'eau beaucoup moins sympa. Là. 3, là, on n'a qu'une envie, c'est d'entrer sur le bord de la plage, se poser sur sa serviette. Hein. 5, 6, 7, 8 encore. 1, et 2, et 3. Et elles sont lourdes, ces cuisses. Et 6, et 7, et 8. Je relâche, je détends le bas du dos, je relâche, je respire et je viens me mettre sur un côté, hop, sur le côté. Pour l'instant, j'ai pas besoin de ma sangle. Donc, hop, on a le genou au sol, mal au genou, replier son tapis. Alors, donc je suis là, j'ai ma main sur mon genou. Le premier mouvement, ça va être j'incline, donc ça va travailler mon buste. La main
sur la jambe, ça étire, ça fait même du bien, ok? Je reste pas. Je vais mettre cette main vers le sol et je vais simplement monter ma jambe. Je descends ma jambe, il y en a 8. Et j'incline le buste. Alors, ne me fermez pas comme ça, je suis sur le côté 2. Je reviens là sur une ligne et je monte ma jambe, 3. Et je redescends, profite. Là, essaye d'étirer, cherche pas à fermer, étire, 3. Ouvre et descends, monte. Allez, 4, allonge. Le bassin reste fixe. Hop. 5, je glisse la main là, descends, descends. Je reviens. Je crois que ça fait 5. Ça fait 6 peut-être alors. Je reviens, j'ouvre le dos. 7. Et au 8e, attention parce que je vais rester. Au 8e, pour commencer, je vais mettre la main sur la tête. Descends et monte. 1, 2, donc toujours l'ouverture. 3, 4, 5, 6, 7, premier 8. Et 1, essayez de ne pas fermer. 2 là, d'ouvrir. 3, donc 4, continuez. Vous pouvez vous mettre sur le poing, ceux qui ont des problèmes, sur la main, sur les doigts. Allez, encore 2, 8. 1, 2, respire. 3, 4, encore. 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cercle. 1, 2, 3, 4, 5, on n'a pas de poids heureusement, 6, 7, 8, l'autre côté et 1 dans l'autre sens. 2, 3, allez 4, 5, 6, 7, 8, je reste tout petit. 1, 2, 3, 4, repousse le sol. 5, il n'y a pas de poids. 6, 7, 3, 8. 1, 2, 3, c'est normal, tu es mal là et que tu es même mal là. 6, 7, 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, plus que 8. 7, 6, 5, craque pas. 4, 3, 2, serre bien et reste. Monte. Et relâche. Respire, relâche un peu ton côté. Et détends, je pousse mon chrono. On n'a même pas bu d'eau, je vois ma bouteille. Même pas bu d'eau, pas de pause. Et on change. Je me décale un peu. Allez, donc le dos est droit, le genou, hein, dans le, voilà. Donc, on va aller sur le côté. On étire, on étire, on étire. On glisse la main, ok? On revient, on change. Et on monte la jambe. 1. Et on redescend. On glisse. Et on monte. Hop, on monte la jambe. 2. Encore. Hop. Et on monte la jambe. 3. Encore. Grandis-toi, va chercher loin. Glisse. Et 4. Allonge tes pointes. Grandis-toi. Il est presque agréable. Celui-là, viens. 5. Encore. On étire. 6, monte ta jambe. 7. Encore un, on va rester au prochain. 8, on est là. On met la main sur la taille et on descend. 1, 2, on se grandit, on allonge. 3, 4, 5, on pointe bien. 6, 7, 8, 3, 8. Grande amplitude. 1 en bas en haut. 2, 3, 4, allez, 5. 6, 7, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, courage. Allez, 7, 8 encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, petit cercle. 1, souffle, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, dans l'autre sens. Et 1, 2, pousse la taille, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu restes des petits, 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, et 8, encore, 1, 2, 3, 4, et 5, 6, attention que ça ne tourne pas, 7, 8, 2, 8, 1, 2, ouf, 3, repousse, 4, 5, 6, 7, plus que 8, 8, 7, 6, allez, 5, 4, 3, 2, reste.
respire. Relâche, respire, souffle. Tu te mets sur le côté. Allez. Hop. T'allonges. Hop. On est là, la tête au sol. Donc on est sur une même ligne. Hein. Les jambes alignées, le buste, le ventre est rentré. Pas les jambes vers l'avant. Et là, simplement, on monte le pied droit. La jambe gauche va aller toucher le pied droit. Et on redescend les deux. 1, 2 et descend. Pour vous, c'est peut-être la jambe gauche. 1, hein. La jambe du dessus, dessous et descend, ça fait 3. 1 et monte et descend, ça fait 4. 1 et monte et descend, ça fait 5. 1 et monte et descend, ça fait 6. 1 et monte, descend, ça fait 7. 1 et monte, descend, ça fait 8. Maintenant, tu pars avec les deux en même temps. 1 tout petit. 2, 3, allez la taille, 4, 5, 6, 7, 8, tu repars, tu montes 1, touche 2 et descends, et 1, touche 2, ça fait 2, 1, touche 2, ça fait 3, 1 et 2, 4, 1 et 2, 5, 1 et 2, 6, 1 et 2, 7, 1 et 2, les deux en même temps, 1, doucement, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, tu pousses sur la main et tu restes, allez, tu ne te redresses pas, c'est juste la main et le début de l'avant-bras, hein. Hop, je repousse le sol et je reste, 8, 7, allez, ça doit chauffer la 6, et les adducteurs, 5, 4, 3, 2, 1, et tu relâches, tu changes de côté, ça va, ça va, ça va. Et on aurait pu mettre 4 séries, on a mis 2, hein, donc ça va. Hop, donc on est aligné, toujours pareil. On prend le temps, hein, d'avaler le nombril, les deux jambes sont toniques, la tête dans le prolongement, la jambe du dessus monte, la jambe du dessous va toucher, et je redescends, ça fait 1. Ça fait 2, monte. Monte, 3, 1, 2 et 4. Moi, je me mets comme ça pour vous voir, mais vous gardez s'il faut 5. 1 et 2, si c'est pas confort. 1 et 2 et 7. 1 et 2 et 8. 1, ah bah hop, j'en rajoute une, moi une option. Et tout, on y va. Hein. Donc, on fait attention de ne pas avoir les jambes derrière. Tout petit, on ne peut pas aller haut. 1, 2, 3, resserre les jambes. 4. 5, pointe les orteils, 6, 7, 8, et tu repars, 1, et monte, et descends, ça fait 1, 1, monte, 2, monte, boum, 3, et 4, 1, 5, 1, tac, et 6, 1, tac, et 7, 1, et monte, et petit en haut. 1, 2, sans descendre, hein, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De là, on va pousser juste sur la main un peu, d'accord? On monte, hop, et on monte les jambes. C'est tout, c'est pas confortable, hein, on ne cherche pas le confort. Hein. On reste, on reste, on reste. On étire, on se grandit. Les pieds sont décollés, on reste et on relâche. On vient, on a presque fini. Se mettre sur les coudes. Allez, on y est presque, on y est presque. Genoux. On monte. Donc, la jambe, attention de bien avoir les hanches face. La jambe droite avec le bras gauche. 1, on travaille les lombaires et les fessiers. 2, 3, d'accord? Donc, il faut bien rentrer le ventre. 5, c'est comme si on le faisait sur le, à plat ventre. 6, 7, 8. Et là, tout petit. 1, le dos en même temps. 2. Là, c'est normal si tu sens après que ça chauffe dans ton dos. 5, 6, 7, 8 et ça repart. Et 1, et 2, et 3, et 4. Je rappelle, c'est opposé. Hein. 5. Attention, n'ouvrez pas la hanche. 6, 7, petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça repart avec le sourire. 1, 2, 3, avale le ventre, 4, 5, bien tendu, fessier, 6, contracte, 7, petit,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et tu restes à ralentir le nombril. Souffle, ça tremble partout. Reste la tête dans le prolongement. Et relâche. Relâche les épaules un petit peu, quelques secondes. Respire. Et on repart de l'autre côté pour terminer. Allez. Allez. 1, 2, bras opposés à la jambe. 3, c'est un battement, ça monte et ça descend. 4, ne me pliez pas la jambe. 5, 6, 7, petit 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, descend. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, petit 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Et on repart, courage. 1, allez en haut. 2, monte. On a presque fini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bloc. Reste à ras le nombril. Et relâche. Et respire. On finit. Étirement. On se met juste sur le ventre. Il faut étirer. Allez. Allez. On met les mains dans le dos. Qu'est-ce qu'on fait là? On va relâcher les épaules. On inspire. On décolle. Juste le haut. On décolle. On rapproche les omoplates. On reste. On respire. On ne décolle pas les pieds. On relâche. On refait encore une fois. On rapproche les omoplates. On pousse les coups de pied. On reste. Et on redescend. On va pousser sur les mains et on va venir s'asseoir sur les talons. Tranquillement. On relâche, on relâche, on relâche. On déroule la colonne vertébrale et on vient s'asseoir. On tend la jambe, on amène l'autre jambe par-dessus, on fait coude opposé, on se grandit, on inspire et on expire. On revient tranquillement, on décroise juste, on attrape et on déroule un petit peu le dos pour bien relâcher le bas du dos si on sent que ça a tiré tout ce qu'on a fait là tout à l'heure dans les abdos. Et on revient. On change, allez, on croise, genoux, coude opposé, la main dans le dos, on se grandit, on inspire, on souffle, on tourne. Là on respire par le ventre, c'est fini les fufus. On revient. On décroise, on inspire et on expire, pied flex, on avale le nombril, on reste. On inspire, on étire et on expire, on allonge, on relâche tranquillement. On plie les deux jambes juste une fois encore, le dos rond, on relâche bien le dos. Inspire, on remonte, bien, on finit en tailleur par les épaules. 1, 2, 3, 4. On va chercher vers l'avant pour étirer les fessiers, le bas du dos. Et on revient tranquillement. On fait simplement une petite inclinaison au niveau de la nuque. On revient, on relâche. Et on finit par la tête devant. Juste relâche. On revient, ferme les yeux. Gardez les yeux fermés, détendez bien. Et on ouvre tranquillement les yeux. J'espère que ça a été. Et puis on se retrouve à très vite, j'espère, en salle. Allez, je vous embrasse. Portez-vous bien.